Ellie, vous pouvez dire au chef que je suis de plus en plus proche de Rex. Oh, comme c'est mignon. Frank. Oui, je surveille le bureau des scellés pour Ellie. Alors, tu aimes Rex, hein, c'est ça? Non, je veux dire que je suis sur le point de l'arrêter. J'ai appris où sera son gang ce soir. Et c'est où? Au chantier, près de Paradise Sands. Je connais le contremaître là-bas, Albert Spindelrouter. C'est lui qui a reconstruit ma maison quand je l'ai fait exploser en essayant de la réaménager. Tu savais, toi, qu'il faut pas refaire l'installation électrique d'une baignoire? Ouais. Enfin, bon, je remplace un dégât de Rex pour un boulot là-bas. Dis-le à Ellie. Oui, monsieur! Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur LEGO City Undercovers et on va commencer tout d'abord par désactiver la brique qui fait que les passants sont déguisés. C'était marrant mais il y a un moment faut que ça s'arrête. Bon, il me faut une voiture. Désolé, c'est une urgence. Oh putain, je me suis encore récupéré une brouette. Ah bah on n'est pas arrivé avec ça. Faut pas qu'on se mette sur le toit parce que là, on s'en sortira pas. Hein. Donc on va sur un chantier. Et c'est là où on va débloquer notre dernier personnage, hein, le dernier costume qui nous manque, le travailleur chantier. T'es sûr que t'as bien coupé l'électricité? Ouais. La lumière sur l'armoire électrique est passée au rouge. Ah, au fait, mon docteur m'a appris que j'étais daltonien ce matin. Oh putain. Hein? Ah, t'es stupide ou quoi? Qu'on l'emmène à l'hélico, à l'hôpital, je veux dire. Et qui va le remplacer maintenant, hein? Ben moi. Pas question. Non merci. J'ai des trucs à faire. Non, non. Et pourquoi pas moi? C'est pour poser des canalisations, pas pour sauver le monde, abruti. Ah, bon, il te faut une tenue. Toi, donne-lui tes vêtements, ton casque et ton marteau. Wow, wow, ouais, c'est bon. Je vais en trouver d'autres. Le mec qui a la voix de Terminator, quoi. Belle chance, Schwarzenegger. Hey, va falloir que tu bouges ce tonneau. Pousse-le vers ce cône en vitesse. Il faut que je trouve qui est mon contact ici. Dépêche-toi d'enfoncer cette porte. Mais t'as pas un pied de biche? Ouais, on récupère notre costume d'ouvrier. Prépare-moi vite cette armoire électrique. Je ne veux pas d'autres dommages collatéraux. Et hop. C'est toi, Jimmy? J'ai un message de Rex. Il veut que tu piques une grue ici. Tu dois y aller. Clair, net et précis. Une grue, d'accord. Rien que ça. J'ai besoin d'un café bien serré. Casse cette caisse. Je la remplacerai par une unité spéciale. J'ai mal au dos à force de porter des briques toute la journée. T'as bien fait attention à les soulever correctement. Oh, ça va, tu sais, c'est solide les briques. Il
le change couleur qui va bien. J'aimerais un bon café, là, tout de suite. Ah, faut réparer ce portail. Tout ce boucan me rappelle la course aux jouets à Noël. C'est bien marrant ce rouleau compresseur, mais vous n'avez pas quelque chose de plus grand à conduire? Comme, oh, je ne sais pas moi, une grue? Te confier une grue? Merci. Montre-moi que tu sais te servir de tes mains. Répare ce monte-charge là-bas. Je crois que d'autres mauviettes en ont laissé des pièces dans ce bassin. On va se faire un petit café pour commencer. Voilà. Fait partie des mini-défis à faire ici. Donc à chaque fois qu'on pète une canalisation, ça fait descendre le niveau de l'eau. À faire en gros. Voilà, déjà le 100% pièce. Je pourrais être architecte. Il suffit juste de faire des choses. Je faisais déjà ça quand j'avais 5 ans. C'est avec elle, celle-là. Si on buvait moins de café et qu'on travaillait un peu plus, on pourrait finir ces chantiers plus tôt. J'espère qu'on ne travaillera plus jamais avec cette échelle. Ces constructions sont impossibles. Qu'est-ce qu'elle va nous envoyer? Oh putain. Continuer. Je n'arrête pas de me donner des coups de marteau sur la main. Je devrais essayer quelque chose de différent. Me taper sur le pied peut-être. Pauvre con. Ah, un café. Important le café. Ah bon. Ah ok. Ouais, on a débloqué une toupie. Ouais, on aura vidé toute l'eau. Comment se passe le chantier? Pour le premier étage, tout s'est passé comme sur des roulettes. Mais pour le second, on passe à un... Alors, t'as trouvé les pièces détachées? Comment se passe le chantier? Pour le premier étage, tout s'est passé comme sur des roulettes. Mais pour le second, on passe à un... Qu'est-ce qu'il y a de truc cosmonaute? Trouve les pièces détachées. Oh. Répare ce monte-charge. On a pris du retard pour ce boulot. On est déjà à l'aube du sixième qu'est-ce jour. Qu'est-ce qu'il est relou, lui. Il n'y a personne d'autre qui travaille ici. Ça paraît peut-être injuste, mais c'est le contrat. Le contremaître me rappelle quelqu'un. Tu
veux conduire la grue, hein? C'est ça? Alors passe par cette porte là-haut. Qui a construit ce mur là-bas? Imbécile! Utilise des explosifs pour le dégager. Hein? Quoi? Pas besoin d'avoir été dans les commandos pour faire ça, non? Pas de réponse? Bien. T'as besoin de chaussures de running, man. Plus vite. Les explosifs sont dans la remise. Putain, ça commence à faire beaucoup là au niveau des personnages. Faut pas se louper quand on switch de perso. L'ascenseur ne marche pas. Répare l'armoire électrique au-dessus. Heureusement que j'ai pensé à mettre mon casque aujourd'hui. Je peux encore sentir l'impact de la brique. Petit café, hein, pas déconner. Comment leur dire que j'aime pas le café? Si je leur dis que j'aime le thé Earl Grey. Est-ce qu'ils vont me virer? Mon cousin, il s'est fait renvoyer de la police parce qu'il aimait pas les donuts. Bien. Tu sais pas te servir d'un ascenseur? Oh là, éteins le feu! Hé, hey, attends un peu. Mais pourquoi le bâtiment est-il en feu? Qui est l'abruti qui y a mis le feu? Comment leur dire que j'aime pas le café? Si je leur dis que j'aime le thé Earl Grey, est-ce qu'ils vont me virer? Mon cousin, il s'est fait renvoyer de la police parce qu'il aimait pas les donuts. Bien, c'était pour avoir volé un PC. Petite plantation. De gaz. Utilise ta force. T'as un souci? Tu peux pas défoncer une porte? Oh, ferme-la. Mais enfin, il doit bien y avoir un double dans le coin, non? Je peux t'aider à quelque chose? J'en doute. J'ai fait tomber la clé de la loge du gardien, et le chien de garde est parti avec. Tu peux pas essayer de la lui reprendre? Si, bien sûr. Mais en fait, je tiens à garder mes deux mains. Si j'avais pas déjà mangé mon casse-croûte... J'aurais peut-être pu attirer ce chien hors de sa niche. J'espère que cette grue me conduira droit à Rex. T'as récupéré la clé! Tu me sauves la vie, l'ami! Vas-y, ouais, ouais. Utilise-la pour entrer dans la loge du gardien. Y'a pas des trucs à faire là, hein? Là, y'a tout ce qui est tuyaux à faire avec... Qu'est-ce qui va me faire dénicher?
Ah, une mini pelleteuse. Ouais, merde, je suis bourré de boutons. L'habitude avec la manette Wii. Je l'ai coincé. Ah, te voilà. Hé, hey, comment avez-vous ? Je suis pas Albert, je suis Werner, son jumeau. Ah, je m'attendais à ce que vous soyez différent. Alors, pour un comme jumeau, ça, tu veux conduire une grue ? Oui. Tu ferais bien de l'assembler d'abord. Oh. Allez, construis-la. Mais c'est vrai qu'il y a des petits trucs à construire. Attends, il va y en avoir un autre là-bas. Excusez, hein, mais c'est important. Voilà, et reprenons. Il va me falloir beaucoup plus de briques pour cette super construction. Ah, il m'en manque un peu. J'ai pas pensé qu'il m'en manquerait autant, tiens. Ah, il m'en faut encore une. Alors on doit y arriver. Un défi là pour avoir des... On se met en haut.
Et voilà. Ça, à mon avis, ça va être la brique qui nous manque pour faire... Ah merde. La grue. Voilà, c'est bon, on est prêt. On peut y aller. Pareil, tu crois hein. Pouvoir conduire une conduite la grue vers ce bâtiment là-bas. Vite. Ah, vite, on va pas très vite. Hein. Soulève les canalisations à l'aide de la grue. Je pourrais les porter à main nue, moi. Eh, mets-les dans la bonne tranchée. Ne fais pas d'erreur. Allez, fais pareil avec les autres. Vous allez quelque part? Ne t'inquiète pas, je reviendrai. I'll be back. J'espère que ça ne vous dérange pas si la grue n'est plus là quand vous reviendrez. Parce que je vais la prendre pour attraper Rex. Avec le très long bras de la justice. Elle était pas mal celle-là. T'as la grue, Jimmy? Génial. Rex va être super content. Ouais. Eh bien, conduisons-la jusqu'à Rex. T'es un marrant, Jimmy. La grue va nous servir à obtenir autre chose. Je vais ouvrir la grille pour que tu puisses la sortir d'ici. Ouais, je roule dessus, tiens, sans pitié, un coup de chenille dans la gueule. Sors de la grue, Jimmy! Ouais, une petite seconde! Hey, salut! Merci, faut que je la conduise à l'observatoire. Attends ici, et assure-toi que personne ne me suit. J'ai l'impression que quelqu'un va essayer de s'infiltrer dans notre gang ce soir. Non. Si. Aïe. Retrouve-moi là-haut dans 10 minutes. Ok. Ok. Je suis trop fort pour me déguiser. Ah. Ouais, pas l'air de s'en sortir. C'est aujourd'hui que j'ai oublié mes lunettes chez moi. Et voilà cette mission qui se termine. On a volé la grue. Je me demande bien à quoi ça va bien pouvoir servir. Et on a le pièce x6 qui a débloqué. Hein, le bricouille. Et on aura 3 insignes sur 4. Dommage, on aura presque pu avoir le perfect. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Lego City Undercovers. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous.